Bonjour. Bonjour. Alors, on commence par le TP. D'accord, donc avant de passer à autre chose, on termine avec la modélisation. Je suis en train de visualiser en fait la liste des groupes et il y a des groupes qui n'ont pas encore choisi quoi faire. Dites-moi, pourquoi il y a des groupes qui n'ont pas encore choisi quoi prendre comme location? Pourquoi vous n'avez pas encore choisi? Non, non, mais Oui. on s'est pas mis d'accord. D'accord. C'est-à-dire Non, ceux c'est qui quoi n'ont le pas. dernier délai pour envoyer? Je vous avais dit en fait qu'il y aura à chaque séance, on va voir l'état d'avancement. Oui, on a avancé, ça, mais on a les endroits là, des refaire, sur le d'après. D'accord. Donc l'évaluation au total va se faire à la fin du semestre, mais on fait le point chaque séance. D'accord? Chaque séance, on fait le point. Donc, par rapport à l'extérieur, donc on n'a pas encore modélisé l'intérieur. Par rapport à l'extérieur, qu'est-ce que vous avez encore fait? Oui. Il y a quelqu'un qui veut rentrer qui n'est pas accepté. Je n'ai personne en attente. Alors, par rapport à l'extérieur, le premier groupe, vous en êtes où? Est-ce que vous avez pu modéliser quelque chose? Madame, on peut Ou du présenter. moins, oui? Madame, on a donc un bâtiment. Madame, on n'est pas le premier groupe. C'est quoi? Mais on peut présenter. Oui. Ok, d'accord. C'est lequel? Vous êtes quel groupe?
tu vois, par rapport au nom. Le groupe du rectorat. Ouais. D'accord. Vous arrivez à voir, madame. Pas encore. Oui. Donc voilà ce qu'on a modélisé jusqu'à maintenant. Rectorat et l'annexe. Juste l'extérieur. Donc, voilà. Oui. Ça, c'est solide mode et... Voilà. Très bien. Voici quelques images, madame, qu'on a créées après. On a rendered les images en cycles. Donc, voilà. Il reste tout ce qui est végétation et l'intérieur, quelques petits détails sur tout ce qui est fenêtre et tout. Parce qu'on n'a pas tout terminé. On a modélisé le gros Un bloc trésor, oui. du Du plan, bureau, le bureau, voilà. Donc, il nous reste le deuxième étage et l'annexe. Et tout ce qui est végétation aussi et les textures. d'accord. Bah, c'est très bien. Bravo. Madame, Donc là, j'ai 13 ans. oui. Kemmelt, c'est bon. Donc là, vous êtes apparemment le seul groupe qui a demandé le rectorat. Donc je vais demander des autorisations pour vous, pour que vous puissiez rentrer et visiter les lieux. Madame. Merci. Merci à vous. Oui, madame. Oui, on voit le partage. Donc, c'est la faculté de biologie. Oui. Nous avons modélisé sur le building, mais Oui. peut-être la végétation, madame. Madame. Que j'ai passé ici. Après, modéliser les facultés, madame. Et les arbres. Oui. D'accord. C'est bon. D'accord. Bah, c'est très bien. Ah, est-ce que vous... Oui. Ah, ce que vous pouvez faire aussi, en fait, c'est de rajouter à la végétation et les arbres, même les textures, on peut les rajouter dans le moteur de jeu. Je vais vous montrer aujourd'hui comment le faire. Mais c'est très bien, bravo. L'objectif est d'y arriver à faire sur le dégras. Oui. Parce que quand madame a dans Blender, pour lui que le PC comme ça, comme Merkel. Alors, Oui. cette image, cette modifier, D'accord. display, c'est cette Oui. cloud. Oui. C'est C'est bon, bien, oui. c'est C'est bon, bien. madame. Oui, c'est très bien. Je vais vous montrer une autre façon de faire tout à l'heure. D'accord, madame.
Merci. Le partager, madame. Oui. Oui. Arrivez à voir mon écran, madame. Oui. Donc voilà, madame, en fait, on a fait les amphis, les textures collège. Bon, après, on n'a pas vraiment d'exemple bien dans les amphis, mais on a un petit peu de choses. Oui. On a fait un peu de choses, on a fait les textures. Oui. On a aussi les classes. Voilà. D'accord. Voilà. والله هاوليك واش درنا لي زون في كينكو كينسقو كلش Oui. بون بخي كاع من بعد حنعاود نسقمو واش كاين جوست نو C'est bien, c'est très bien, bravo. داكور ميرسي مالك Madame, oui, je peux partager la suite de. Oui. C'est les nouveaux blocs. J'ai pas encore fait la texture et tout. D'accord. On voit pas encore le. Vous voyez maintenant mon partage, madame. On voit qu'il y a un partage, mais on voit pas. On voit que c'est en cours. Ah, pardon. Je vais repartager. D'accord. Maintenant, madame. Oui, on voit que c'est vous, mais on voit pas ce que vous partagez. Vous êtes en mode présentation, mais c'est noir. Je ne sais pas pour les autres, est-ce que vous voyez autre chose que c'est en mode présentation? D'accord, maintenant on le voit. J'ai pas encore fait les textures, mais Oui. voilà ce que j'ai fait pour l'instant. D'accord, c'est le nouveau bloc. Oui. Très bien. Je présente madame. Oui. Ok. Voilà, nous on a décidé de faire la faculté de maths normalement. Oui. Donc si vous voyez les gars, Oui. vous arrivez à voir. Donc, pour l'instant, on Oui. a fait juste la géométrie parce qu'on n'a pas pu se rendre sur place vu qu'on est loin de la fac. Donc on a travaillé à partir des images satellites à Google Earth. Oui. Et c'est plus ou moins la géométrie que j'ai pu faire. Que j'ai pu déduire, on va dire, D'accord. à partir de Google Earth, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a. J'ai pas encore mis les textures et j'ai pas encore une idée de comment sont les intérieurs. D'accord. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Oui, c'est déjà très bien. D'accord. C'est bien. Je peux présenter maintenant. Oui. Oui, bonne regard, madame. Oui. Donc, là, on
On délise les loges, ou C'est on a un serpent, les facultés. Aujourd'hui, on a les facultés, je suis allé détails. C'est long pour ça, mais c'est la suite, comme une nage. D'accord. Dans la zone D'accord. ou les intérieurs, mais on m'a rien à faire. Le bâtiment là, on déroule l'intérieur. C'est ma qu'un rire en bête. Adoma, pour l'instant, on va D'accord. voir sur la globalité. D'accord. Très bien, merci. Merci, moi. Quelqu'un d'autre voudrait présenter? Alors déjà, je voudrais vous remercier parce que voilà, la séance passée, j'ai eu peur. Maintenant, je vois que vous êtes en train de travailler. Donc, bravo déjà pour le travail que vous avez réalisé. Alors, quand on modélise, on peut le faire de deux façons. D'abord, il faut modéliser donc les formes. D'accord? C'est clair qu'il faut utiliser un outil de modélisation pour les formes que là, on a utilisé Blender. D'accord? Ensuite, on peut rajouter des textures. Donc, on a vu comment rajouter une texture à un objet dans Blender ou dans l'outil de modélisation, comment on peut aussi le rajouter dans le moteur de jeu. D'accord? Donc, je vais vous montrer par exemple pour les extérieurs, comment créer les extérieurs dans un moteur de jeu. Ça veut dire que ce que vous avez comme spécifique à votre objet, vous allez le modéliser sous Blender ou l'outil de modélisation. Le reste, vous pouvez aussi le rajouter dans le moteur de jeu. D'accord? Donc là, on avait dit qu'on allait utiliser Unity, mais celui qui veut utiliser un autre moteur de jeu peut le faire. De toute façon, ça va être pareil. D'accord? Ça se rapproche beaucoup entre différents moteurs de jeu. Alors, je vais vous montrer. Madame, vous n'avez pas encore partagé votre écran. Mazel. Attends.
Maintenant, il y a le portage. Vous voyez le portage? Oui. Alors, on avait dit qu'on allait utiliser le sort de jeu unique. Je vais vous montrer Unity. Après, si vous voulez utiliser autre chose, vous pouvez le faire. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un a installé Unity ou pas encore? Alors, bon, c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas encore installé, de toute façon, je vais vous expliquer. Après, quand vous serez. Vous allez juste, en fait, que vous voyez ce que vous pouvez faire. Je voulais vous montrer ce que vous pouvez faire aussi sur le moteur de jeu au lieu de tout terminer sur l'outil de modélisation. Alors, je vous ai mis le lien pour télécharger, d'accord? Et un lien pour ce qu'on appelle l'Asset Store, d'accord? Je vais vous montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut avoir dans l'Asset Store. Ça peut être intéressant. Alors, regardez, quand bon, vous allez démarrer un nouveau projet, d'accord? Alors, moi, ce que je veux faire, par exemple, c'est de créer un extérieur. Regardez, ça, c'est mon objectif, d'accord? Je prends un terrain et je veux créer un gazon, d'accord? On sait que, bon, à l'ISTHB, il y a beaucoup de gazon, d'accord? Je veux faire un gazon, d'accord? Donc, je peux faire un gazon standard, d'accord? Comment le faire? Je vais utiliser, d'accord, un outil qui est déjà présent. D'accord, que je vais le télécharger de l'Asset Store. D'accord, moi, j'ai choisi celui-là. D'accord, qui est gratuit. Alors, vous pouvez. C'est des textures pour sol. D'accord, différentes textures pour les sols. Donc, je vais aller sur. Donc voilà, ici je suis sur l'Asset Store. Donc vous allez trouver, d'accord, différentes textures, différents objets, d'accord. À vous de chercher en fonction de ce que vous voulez faire. S'il y a des outils qui sont gratuits, donc il vaut mieux que ça soit gratuit, d'accord. Vous pouvez trouver des personnages.
Des terrains. Ici, vous avez bon, un atlas pour les terrains. D'accord. Donc, à vous de voir, en fait, de ce que vous voulez. Vous pouvez trouver des choses intéressantes. Il vaut mieux chercher alors, ce qui est gratuit. D'accord. Donc, ensuite, il suffit, en fait, de le télécharger et vous le rajoutez à votre moteur de jeu. D'accord. Et à votre projet. Donc, je vais démarrer déjà mon projet pour que je puisse vous montrer la suite. Alors ici, donc là, pour créer un nouveau projet sur Unity, je prends bon 3D. Alors ici, c'est des. Par exemple, si je vais créer un jeu à la première personne, je vais utiliser plus FPS. D'accord. Donc en fait, il y a des projets typés, en fait, pour que ça vous aide à atteindre votre objectif plus facilement. D'accord. Ici, je vais choisir un nom pour mon objectif. Pour mon projet. D'accord. Et on attend que le projet se charge. Bon, je vais en profiter pour vous envoyer la série déjà, comme ça vous pouvez suivre. Alors, ça prend un peu de temps. Alors, je vous ai envoyé la série. Alors, le projet est en train de se charger. Donc, je vous montre, je vous explique sur la série le temps que le projet se charge. Alors, une fois que vous aurez, regardez, vous installez votre Unity. D'accord ? Vous allez sur Download, vous téléchargez votre Unity, vous l'installez. Vous allez sur votre Asset Store. D'accord ? Asset Store, c'est un dépôt
vous allez trouver des outils donc, ou des textures qui sont préalablement faits. D'accord ? Vous sélectionnez ce que vous voulez, vous le téléchargez. Vous revenez à Unity, vous démarrez un nouveau projet, vous sélectionnez 3D comme modèle de projet, bien sûr, parce qu'on fait de la modélisation 3D. D'accord ? Ensuite, vous ajoutez le package que vous avez téléchargé. Donc moi, je vous ai donné un exemple sur celui-là. Je vous ai donné le nom. D'accord ? Où je vais l'utiliser pour faire des textures de sol. D'accord ? Donc les parties où j'ai du gazon, je vais mettre du gazon. Les parties où c'est plus un sol bétonné, je vais mettre un sol bétonné. Si c'est de la terre, je vais mettre de la terre. Donc il y a différentes textures. D'accord ? Alors, vous allez sur le package manager de Unity, quand vous allez créer votre projet, il y a un package manager qui gère en fait les assets. C'est ce qu'on appelle les assets. D'accord ? Vous allez sélectionner l'asset, vous allez voir en fait ceux qui sont téléchargés. Vous allez sélectionner l'asset que vous aurez préalablement téléchargé. Vous allez la rajouter, l'intégrer dans votre projet. D'accord ? Donc, vous pouvez dans le package manager mettre différents assets. Et en fonction de votre projet, vous rajoutez dans le projet juste l'asset que vous voulez. D'accord ? Ça va prendre aussi un peu de temps pour charger. Ensuite, comment on va utiliser cet asset ? D'accord ? Donc, puisqu'on a du sol, donc on va prendre un terrain. Donc, il y a un objet terrain. Je vérifie si vous arrivez à lire. Je vais agrandir. Donc, quand vous allez avoir votre projet, d'accord, il suffit de choisir. Vous vous rappelez, dans Blender, on a utilisé les objets de base, d'accord, les primitives de base, c'est pareil ici. On peut rajouter un cube, un sphère, et comme on peut aussi rajouter un terrain, d'accord. Donc, nous allons choisir un terrain, le rajouter. Ensuite, on va rajouter une texture, d'accord, à ce terrain-là. Donc, on peut plaquer ou rattacher directement une image. Une texture, c'est une image au terrain. Et donc, voilà. Donc là, j'aurai un terrain en gazon, par exemple. J'ai choisi, regardez ici, j'ai choisi cette texture, d'accord, pour mon terrain. D'accord. Alors, je vous ai mis, d'accord, regardez, sur la série, je vous ai mis les imprimés écrans pour que vous puissiez voir chaque étape et une description. Donc, comment rajouter une texture? Je vous dis, dans la fenêtre propriété, Paint, terrain, vous allez faire Edit terrain layers et vous allez faire Create layers et sélectionner la texture que vous souhaitez. D'accord? Ça veut dire, il est où? Il est ici, regardez. Donc, terrain, Paint, texture, il y a Settings, il y a terrain layers, Edit terrain layers et vous choisissez la texture que vous voulez. D'accord ? Je vous ai mis exactement les imprimés écran et étape par étape sur la série. Ensuite, imaginez que votre terrain, d'accord, il est un peu cabousseux, par exemple. Ce n'est pas un terrain qui est lisse tout droit. D'accord ? Donc, en fonction du terrain que vous voulez. Il se peut qu'il soit lisse, ok, vous le laissez comme cela. Il se peut que le terrain ne soit pas lisse. D'accord ? Donc, vous devez rajouter des courbures, d'accord, ou des bosses à votre terrain. Comment vous allez le rajouter? Je vous dis comme ça. C'est écrit. Ajoutez des courbures à votre terrain dans Paint terrain, Raise or Low, terrain, clic gauche sur le terrain pour ajouter les courbures suivant les dimensions sélectionnées. Ça veut dire quoi? Donc, je vais sur le menu, comme tout à l'heure. Regardez, ça, c'est je suis sur Paint texture. D'accord? J'ai Edit terrain layers, donc je vais choisir une autre et j'ai choisi une autre texture. Je me dis, là où c'est cabousseux, donc ce n'est pas gazonné parfaitement. D'accord? Ça veut dire qu'on a marché dessus, par exemple. Et donc là, j'ai choisi une autre texture et je vais ici, regardez, choisir comment je vais faire ma courbure. Donc, je vais choisir ici. Ensuite, je reviens sur mon terrain. Je vais me faire un clic droit sur le terrain et je fais un petit peu, je garde le clic et je fais ma bosse, d'accord, comme avec la dimension que je veux.
et autant de boss que je veux sur mon terrain. D'accord? Si vous n'avez pas besoin de faire ça, ne le faites pas. Donc, c'est en fonction du terrain que vous avez. Maintenant, il se peut aussi qu'on veut rajouter des arbres. D'accord? Comme votre camarade tout à l'heure, il avait créé toute la partie extérieure sur Blender. On peut aussi la faire ici. D'accord? Il suffit qu'on peut sur Blender mettre que les bâtiments. D'accord? Et venir ici sur le moteur de jeu pour ajouter les arbres. D'accord? Donc, comment on va faire arbre? Pareil, on ajoute un arbre sur le terrain en mettant paint trees et des trees add trees. D'accord? Sur le terrain. Donc, je vais ici. Regarde, ici, j'ai un menu. Dans le terrain, j'ai un menu paint trees. D'accord? Et là, dans l'asset que j'ai rajouté, j'ai différentes formes d'arbres. D'accord? Moi, j'ai choisi celle-là. Donc, vous pouvez choisir une forme d'arbre qui se rapproche de la forme réelle qu'il y a sur le campus. D'accord? Donc là, j'ai choisi mon arbre. Il y a différents arbres. J'ai choisi celle-là. Et je choisis aussi son emplacement. D'accord? Et je la rajoute ici. On a automatiquement, regardez, un effet d'ombre qui se crée. Donc parce que ma caméra, elle est là. D'accord? Donc, comme si le côté soleil, c'est le côté de ma caméra. Et donc là, j'ai comme si un effet d'ombre qui est créé. D'accord. Vous voyez que c'est très facile de faire les extérieurs ici en utilisant des assets prédéfinis. D'accord. Donc, c'est des assets qui sont gratuits. On les utilise directement. Sans, on ne va pas modéliser d'arbres ou autre. Hein. D'accord. Donc, ici, j'ai rajouté mon arbre. Ensuite, je peux rajouter des objets. Par exemple, je peux mettre mon bâtiment ici. Je peux rajouter, autant... de décor que je veux. Regardez, ici, j'ai mis mon terrain, je l'ai cabossé un petit peu ici autour de l'arbre. Ailleurs, je l'ai laissé soft. D'accord? Et puis, voilà. Donc là, mon arbre, on voit bien l'arbre. Et ça a un effet très réaliste. D'accord? Alors que il m'a suffi de faire juste quelques étapes. D'accord? C'est très rapide pour le faire. Alors, j'attends... toujours que mon projet démarre, en fait, bon, ça prend du temps. Vous savez que Unity, il est lourd. Il consomme beaucoup de ressources. Hein. Donc, c'est ça l'inconvénient. Et voilà, mon projet n'a pas encore démarré. Vous avez des questions par rapport à ça? Alors, vous en pensez quoi déjà? Par rapport à celui qui a utilisé les arbres dans Blender, ça vous semble plus simple ou... C'est plus simple que sur Blender. D'accord. Donc là, oui. Voilà. Donc ça va vous régler une partie. Déjà, pour construire les extérieurs, ça va vous faciliter les choses. Quelqu'un déjà a téléchargé Unity ou pas encore? Alors ensuite, quand vous aurez fait ça, d'accord, je vais vous montrer après, bon, une fois que ça va démarrer, comment rajouter un personnage. Pareil, regardez, je suis partie chercher dans l'asset store un personnage. D'accord. Ensuite, je l'ai rajouté dans ma scène. Je n'ai pas de photo où je l'ai mis dans ma scène. D'accord. Donc, ceux qui étaient présents pour le cours précédent... Ah, tiens. Alors, on a vu comment créer... On a parlé d'interaction et nous avons parlé de détection de collision. D'accord. Donc, une fois qu'on rajoute le personnage, on doit spécifier aussi son comportement.
D'accord. Est-ce qu'il est physique? Est-ce que c'est un objet déformable? Donc, ou bien c'est un objet rigide? Et lui placer un box. D'accord. On avait parlé de boîte englobante pour détecter la collision entre ces objets. Et pour l'animer, on avait aussi comment l'animer. On l'anime avec, en écrivant un script. D'accord. On a vu comment, pour interagir avec l'objet, en utilisant l'interaction clavier, nous allons écrire du code, d'accord, pour pouvoir me dire quand je vais cliquer sur ce bouton, il va faire une marche avant, une marche arrière, tourner à droite, tourner à gauche, pour faire fonctionner, ou bien pour interagir avec mon personnage. Alors, voilà l'interface de Unity, d'accord? Donc là, on a la scène. Regardez ici la scène où on va modéliser, d'accord? Ensuite, pour voir la modélisation, on va aller sur Play, dans Play Mode pour voir nos interactions et tout ça, d'accord? Donc voilà, par défaut, on a juste le Sky d'Unity, c'est tout. D'accord. On a un à gauche. Donc, on a au minimum, on a la caméra de la scène. D'accord. Donc, la caméra, c'est ce qui va nous définir notre vue. D'accord. Ce qu'on va voir. Et puis, la direction de la lumière. D'accord. Comme tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait l'ombre sur l'arbre, c'est par rapport à la lumière. Donc, par défaut, on a ces deux composants. D'accord. On a aussi, donc, un menu, d'accord, pour créer une scène, ouvrir une scène, pour sauvegarder, avancer, donc créer un nouveau projet, d'accord, le sauvegarder et tout ça. Donc, edit, pareil, c'est le edit qu'on connaît. D'accord. Alors, on a asset, d'accord, je peux créer une asset ici. Comment peut-on ouvrir une asset? On peut télécharger une asset. D'accord. Utiliser le package manager. Donc là, on a les propriétés. Donc les transformations qu'on peut avoir, la lumière. D'accord. Et quand je veux rajouter, je vais mettre add component, par exemple, pour rajouter un script qui va me faire une animation. Mes objets, donc là voilà, game object, je peux utiliser des objets de base, cube, sphère, capsule, texture ou bien terrain, on a parlé de terrain, donc ici je peux rajouter mon terrain par exemple. Je peux faire visual scripting pour ceux qui n'aiment pas écrire du code, mais nous on va écrire du code, d'accord. Alors, tout ce qui est physique, c'est rigid body. Donc, je vous avais parlé des box, donc les boîtes englobantes, box collider, si c'est en forme de cube, d'accord. Sinon, c'est en forme de sphère ou autre. Donc là, si on a un personnage, on a des articulations, donc on a utilisé les articulations du personnage. Si on définit une force, donc là, on va mettre définir la force, par exemple. Alors, je vous ai parlé du Package Manager. Donc, Package Manager, il est dans Windows. Donc voilà, regardez, ça c'est la liste des packages Unity.
qui sont par défaut. Ok, j'ai oublié mon mot de passe, super. Donc là, en fait, il cherche à me connecter à mon asset store, d'accord? Parce que je vais vous montrer, quand on crée... Donc ici... Je dois avoir un compte. Je ne suis pas connectée avec mon adresse mail ici. Alors oui. Bon, je vais faire ailleurs. Alors, vous arrivez à voir? Donc là, je me suis connectée, je me suis juste connectée avec mon... Voilà. Mon compte, parce que ce n'était pas la même adresse que j'avais utilisée. Et là, on voit bien, d'accord? Ce que j'avais déjà téléchargé, les assets que j'ai déjà téléchargé, regarde. Donc ça, c'est mon personnage. Alors, j'ai rajouté aussi un package pour les arbres. D'accord. Je peux vous le montrer. Je vais vous l'envoyer comme ça. Je vais vous envoyer le nom. Ça rend bien en fait où il rajoute des animations pour les arbres. D'accord. Donc il rajoute des animations pour les arbres. Ça peut être rajouter un peu de vie à votre scène. Si jamais vous avez besoin de l'utiliser, d'accord. Donc celui-là, c'est ce que j'ai utilisé pour les sols et l'arbre aussi. Bon, il est sur la série TP, d'accord.
J'ai utilisé aussi un autre, je vais vous montrer pour les chemins, d'accord? Ça fait des routes, il crée des routes. Regardez. Donc tout ça, c'est une asset qui est déjà prête. Donc je peux utiliser directement pour les routes. C'est des exemples, hein. Ça n'a pas forcément de lien direct avec le projet, mais je voudrais juste en fait que vous montrer en fait tout ce qu'on peut avoir. D'accord? En relation, bon, ça reste en relation avec tout ce qui est terrain, extérieur, route. Après, par exemple, si on a besoin de faire une animation à la troisième personne, ça veut dire quoi la troisième personne? Ça veut dire que le personnage, je le vois. Je commande un personnage, j'interagis avec le personnage, mais je vois le corps du personnage. C'est-à-dire que la caméra est placée derrière le personnage. D'accord? Donc là, je peux utiliser donc, pour les animations de combat, pour des animations de... D'accord? Qui sont déjà prêtes, en fait. Il y a des animations qui sont déjà programmées. Je peux utiliser directement. Donc, c'est juste pour vous donner des idées. Après, vous, par rapport au type de jeu que vous voulez, vous pouvez aussi trouver des assets gratuites pour ce genre d'animation aussi. Bon, je vais vous le donner. Après... Vous pouvez chercher autre chose, d'accord? Juste à titre d'exemple. D'accord? Donc ici. Alors, par exemple, je suis là, je vais mettre Open in Unity pour qu'il me l'ouvre dans mon Package Manager. Donc, en fait, il m'a ouvert mon Package Manager. Alors, je repartage sur le Package Manager.
Pourquoi il veut pas?
j'essaie de démarrer un projet existant. Ça va prendre encore un temps. Alors, s'il vous plaît, pour le mail que j'ai reçu de votre camarade en me disant que vous voulez que la semaine du présentiel devienne en ligne pour la première semaine de Ramadan. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème, sauf que il faut que l'administration aussi soit au courant. D'accord ? Voilà. Donc, pour moi, ça ne me pose pas de problème et il nous faut l'aval de l'administration. Il y a aussi, donc, pour le TP, donc la semaine prochaine, on sera en présentiel. D'accord ? Donc, pour le TP, j'aimerais qu'on profite du présentiel pour qu'on fasse un TP Kinect. Donc, comme c'est un TP Kinect, donc, moi, j'ai deux Kinect de la V2. Donc, je vais vous demander d'installer le SDK de la Kinect 2 sur vos machines. D'accord ? Au moins un par groupe. D'accord ? Donc, si on va voir dans... Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a combien de groupes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. Donc 13 groupes, ça veut dire qu'on va faire 6 groupes. Groupes divisé par 2. D'accord ? Donc, on va faire le TP en sous-groupe. Vous avez compris ce que je veux dire ? Donc, on utilise en sous-groupe, d'accord, pour pouvoir utiliser les Kinect. Donc, si vous pouvez garder les mêmes groupes que le projet, d'accord, qui est 3 groupes, donc, par sous-groupe. Treize groupes, c'est pour toute la section. Donc, si vous êtes divisé par 2, donc, ça sera 6 groupes. D'accord ? Donc, si ce sera en sous-groupe, donc on aura 3 groupes par TP. D'accord ? 3 groupes par TP. Donc, 3 groupes dans la première séance et 3 groupes dans la deuxième séance. Prochain présentiel, il y aura d'autres 3 groupes pour le premier. Première séance et d'autres 3 groupes pour la deuxième séance. Est-ce que vous m'avez compris? Non. Je disais, on partage les groupes en sous-groupes. D'accord ? Au lieu que ce soit la section, elle est partagée en 2 groupes. Donc, la section, on la partage en 4. Pourquoi diviser par 6? Chaque groupe, on le divise par 2. Comme vous êtes 2 groupes. Donc par 4. D'accord? Donc si quelqu'un ou l'un de vous a déjà une Kinect, il peut la ramener. D'accord? Au minimum, donc on en a 2. Comme vous êtes 4 groupes. D'accord? Donc vous pouvez 2. On travaille 2, ensuite 2. Pour cette semaine,
pour la semaine du présentiel. Ensuite, pour le prochain présentiel, je ne sais pas quand est-ce que ça sera, c'est les autres qui n'ont pas fait le TP de la keynote qui vont le faire. D'accord ? C'est le seul moyen qu'on a que vous pouvez voir un matériel. Vous puissiez voir c'est quoi une Kinect et comment on interagit en utilisant la Kinect. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, vous avez vu aujourd'hui ce qu'on peut faire avec le moteur de jeu. D'accord? Comme ça, quand vous allez faire la modélisation, vous allez choisir. Qu'est-ce que vous allez modéliser dans Blender et qu'est-ce que vous allez rajouter dans le moteur de jeu. D'accord? Donc, essayez d'explorer là cette store. Regardez ce que vous pouvez trouver de prêt et de gratuit au maximum. Donc voilà, enfin, j'ai un projet qui est monté. Alors, ça prend du temps. Je vais vous le montrer. Donc, regardez ici, donc on a vu le Package Manager. Voilà, donc là, je retrouve bien tous les packages que je vous ai montrés tout à l'heure sur l'Asset Store. D'accord? Donc, je les retrouve ici. Alors, j'ai utilisé aussi un package ou une asset pour faire un ciel. D'accord? Donc, ça me permet d'avoir regardé un ciel qui est assez agréable. D'accord? Et voilà. Donc, celui-là, c'est pour les arbres. Et celui-là, pour les sols. D'accord? Vous vous rappelez? D'accord? Donc, une fois que vous les aurez téléchargés dans votre asset store, d'accord? Vous créez un compte, vous les téléchargez. Si vous voulez utiliser un des assets dans votre projet, vous allez sélectionner et vous allez faire Import. D'accord? Donc, ceux-là, ils sont dans votre asset store. Vous voulez le rajouter au projet, vous mettez un Import. D'accord? Il sera automatiquement dans votre projet. Donc, vous allez le voir ici. D'accord? Regardez, il y a un menu en haut. D'accord? Il y a aussi un menu en bas. On a les assets. D'accord? Et regardez, ils sont là, les différents assets. Donc, si je sélectionne celui du sol, vous regardez, on a ici différents sols. Regardez, quand un sol qui est plus sec, on a... Ici, c'est plus de la lave, regardez. C'est comme si on avait des volcans, si on a des volcans. Donc, cet asset est vraiment bien dans le sens où j'ai une variété de sols. D'accord? Ici, j'ai une variété de sols. Alors là, j'ai un terrain déjà dans ma scène. D'accord? J'ai déjà un terrain. Alors, je peux regarder ici, j'ai les propriétés du terrain, des transformations.
La position, il est au centre de la scène, à la position 0, 0, 0, okay? Pas de rotation. Okay? Il est à échelle 1. Là, je peux changer de propriété. Et ici, regardez, vous voyez le menu, c'est exactement ce que je vous avais mis sur la série. Ici, donc, il suffit que je vous ai les... Alors, où est-ce que je l'ai trouvé? J'ai mis Game Object, d'accord? J'ai des objects et j'ai terrain. D'accord? Je peux rajouter mon terrain ici. Donc, si je rajoute un autre, regardez, il est là. Terrain 2. Ils sont superposés là-bas. Non, je peux le. Non, je peux garder le premier. Je sélectionne un, je peux le supprimer. D'accord. Bon, ici, alors j'ai rajouté beaucoup de choses parce que j'ai fait autre chose ici. D'accord. Ensuite, je peux travailler, par exemple, sur mon terrain. Que ce soit le premier ou le deuxième. Alors, regardez, ici, c'est le menu que je vous avais montré. On peut rajouter des textures ici. D'accord, j'ai Paint Texture. Je peux utiliser Rise or Low. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est pour utiliser les cabosses. D'accord. Je peux mettre Paint Holes pour mettre une image dessus ou le dessiner. Donc, je peux mettre Smooth pour que ce soit plus, à quelque chose, un rendu plus, on va dire, plus homogène, d'accord? Et je peux utiliser Paint Texture pour rajouter une texture. Ensuite, on avait dit, c'est dans Edit Layers, d'accord? Je vais mettre Create Layers, Add Layers. Donc, je vais voir exactement ce que j'avais mis sur la série. Et je commence à suivre étape par étape ce qui a été fait. D'accord? Donc, je vais faire Create Layers et je rajoute la texture que je veux. D'accord, regardez, ici, j'ai toutes les textures. Je peux utiliser la texture que je veux. Regardez, j'ai différents sols, plus ou moins arborés, plus ou moins... Ça peut être un sol comme ça, sec, complètement sec. D'accord. Je peux changer comme je veux. D'accord. Utiliser d'autres types de sol. Donc là, c'est de la larve. Ça peut être de la larve. Comme ça peut être du gazon. Ça va être plus comme ça. Que ce soit plus un terrain avec du gazon, par exemple. Après, si vous voulez rajouter des propriétés physiques à votre terrain, d'accord? Si c'est physique, ça veut dire quoi? C'est quoi le matériel? Ici, j'ai besoin de rajouter autre chose. Je vais mettre Add Component, d'accord? Et je vais rajouter. Bon, ça, on va le voir quand on va utiliser les scripts. D'accord? Donc, vous voyez, regardez, il y a un seul menu ici. Et vous voulez vous pouvez ajuster votre terrain, lui rajouter ce que vous voulez. Vous lui rajoutez tree ici, paint trees. Et là, je peux rajouter donc je vais rajouter.
Et donc là, il vous dit, regardez, click to paint tree. Donc à chaque fois, vous allez cliquer sur le terrain, vous allez rajouter. Vous allez rajouter des choses à votre... Regardez, donc c'est là, ici où on conçoit, d'accord? Regardez, là, il donne une vue sur la caméra, ce que je regarde. Ici, je veux exécuter ma scène, d'accord? Là, ça va être l'exécution de ma scène, d'accord? Là, j'ai rajouté, donc vous voyez mon terrain avec le gazon. J'ai rajouté mon arbre, j'ai rajouté des choses ici. Donc ça, c'est, je suis en train, d'accord, d'exécuter. Quand je mets stop, je reviens à ma scène. Donc là, je suis en train, donc je peux voir mon objet de différentes perspectives. D'accord, différentes orientations. Donc là, c'est mon terrain. D'accord, vue de haut, vue de bas, vue. Je peux changer les vues. Donc là, voilà. J'ai mon arbre que j'ai sélectionné. Ici, je mets Edit Tree et je peux changer un autre. D'accord? Je peux utiliser d'autres formes d'arbres. Donc, vous pouvez voir un petit peu aux alentours de la partie que vous êtes en train de modéliser, quels sont les types d'arbres qu'il y a. Et vous choisissez dans l'asset store un arbre qui ressemble à celui-là. Je pense que ce sera plus celui-là ou celui-là. Je vais mettre Apply. D'accord. Rajouter. D'accord. Ici, j'en ai rajouté plein. Regardez, je suis en train de rajouter mes arbres autant que je veux. D'accord. Je les dispose comme je veux. Voilà, regardez, vous avez vu, cela n'existait pas avant. Et là, je viens de rajouter une forêt. On me dit, voilà, dans Paint Trees, click to Paint Trees. Donc ici, regardez, j'ai mis Edit Trees. J'ai rajouté, d'accord. J'ai sélectionné dans mon asset l'arbre que je voulais. Par exemple, celui-là. J'ai mis Add, d'accord. Ensuite, ici, on me dit « Click to paint trees ». Donc là, je reviens à la scène, d'accord? Et je vais cliquer ici pour rajouter autant d'arbres que je veux. Je rajoute ici un petit peu. Voilà. Quand je vais être en play mode, vous avez vu? J'ai rajouté une forêt, d'accord, à proximité de la scène que j'avais déjà. Donc, cela n'existait pas avant. Je viens de les rajouter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Des questions par rapport à l'utilisation du moteur de jeu? D'accord, merci. Donc, vous avez vu, en fait, ce que je vous demande de faire, c'est de choisir, d'accord, faire votre choix. Qu'est-ce que vous allez rajouter dans le moteur de jeu à partir des assets qui sont existants et qu'est-ce que vous devez absolument modéliser avec Blender, d'accord.
Donc ici, vous avez vu qu'il y a des possibilités à faire sur le moteur de jeu. Donc à vous de sélectionner ce que vous devez modéliser par vous-même et ce que vous pouvez, d'accord, trouver sur l'asset store du moteur de jeu que vous pouvez utiliser et intégrer directement. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. D'accord, ça sera plus facile pour vous de construire au moins les extérieurs, une partie de l'intérieur aussi. Regardez, comme on a trouvé des assets pour les arbres, on va trouver des assets pour les chaises, pour les tables, pour par exemple une salle de TP. Pour... Donc vous allez trouver a priori des choses, d'accord, qui sont déjà prêtes. Mais après, ce qui est typique et propre à USDHB, c'est sûr qu'il va falloir le modéliser. D'accord ? Donc, je répète, ça, c'est pour vous permettre de trier ce que vous devez modéliser de ce que vous pouvez rajouter. Et ça va vous permettre d'avancer plus rapidement dans votre projet, d'une part. D'autre part, pour le TP prochain, dans le cours, on est arrivé, donc on a fait modélisation, donc on est en train de faire modélisation dans le TP. D'accord ? Construction d'une scène virtuelle. Donc là, vous avez vu qu'on peut rajouter comme ça des objets dans ma scène. Et j'ai créé un extérieur ou une nature qui est agréable. Le rendu est très réaliste, d'accord. Après, on a vu aussi interaction, d'accord. Et dans l'interaction, on avait parlé de la Kinect. Donc, j'aimerais qu'on fasse un TP Kinect, d'accord, pour compléter votre formation. Et donc, dans le TP Kinect, on profite pour que la semaine prochaine, on sera en présentiel. Et comme on est limité par le matériel, donc, il va falloir travailler en sous-groupe. Donc, on va faire des sous-groupes. Donc, une partie de la section va faire ce TP la semaine prochaine. Et l'autre partie va la faire la prochaine fois qu'on sera en présentiel. D'accord ? Parce que, de toute façon, ça n'entrave pas l'avancée dans le projet. C'est à l'extérieur du projet parce que vous n'allez pas utiliser la Kinect dans le projet. D'accord ? Mais j'aimerais... que vous voyez c'est quoi une Kinect, et qu'est-ce qu'on peut faire avec une Kinect et comment on peut interagir en utilisant une Kinect. Donc je compte sur vous pour installer le SDK de la Kinect 2, d'accord. Je vais vous envoyer un mail pour vous le rappeler, comme ça vous pouvez utiliser le matériel, d'accord. C'est bon pour le TP de la Kinect? Ok. Alors, je vous dis merci. À la semaine prochaine. Merci à vous.